Hello, aujourd'hui on se retrouve pour les brides, les demi-brides, les brides et les doubles brides. Allez, on y va. Aujourd'hui, on va faire des demi-brides là pour le moment et après je vous montre les brides normales, simples et les brides doubles. Les doubles brides. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, on a fait les mailles serrées, donc on reprend. Hop, on a fini notre rang, bien sûr. On tourne, on l'a fini comme ça, vous voyez. On tourne. Ça, c'est juste pour de l'entraînement. Vous faites une maille en l'air, comme d'habitude. Hop, vous passez à travers. Et là, on va faire une demi-bride. Donc, vous faites un jeté. Vous allez chercher votre fil. Vous passez dans le trou là. Hop. Vous allez chercher votre fil et vous revenez. Vous vous retrouvez avec trois arceaux. Vous prenez votre fil et vous passez dans les trois arceaux. Voilà une demi-bride. On y retourne. Un jeté dans le trou. Hop, on va chercher son fil. On revient. On tire un petit peu et on fait passer dans les trois boucles. Un jeté dans le trou. On va chercher son fil. On revient. Et hop, on passe dans le trou. Ça, ce sont des demi-brides. Je vais vous montrer si vous n'arrivez pas autrement. Alors, un jeté dans le trou. Allez chercher votre fil. Si vous n'arrivez pas à passer les trois au début, bah, vous faites deux. Deux. Et vous passez dans la dernière. Voilà. Ça, ce sont des demi-brides. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple et pas très compliqué. Un jeté dans le trou. Hop. Hop. Après, vous allez prendre l'habitude. Surtout, ne serrez pas trop vos demi-brides. Surtout si bah, après, vous allez faire avec de la grosse laine. Donc, je ne sais pas ce que vous allez prendre comme laine. Mais plus elle est grosse, et ça dépend si vous serrez ou pas. Donc je finis jusqu'au bout, comme ça après on va faire les brides simples. Hop. Hop, voilà. Voilà. Il me reste une encore. Voilà. Mon rang de, pardon, de demi-bride est fini. On le tourne. Et là, pour des brides, vous voyez, c'est différent d'un côté de l'autre. Pour des brides, on va faire deux mailles en l'air. Une, deux. Pareil, on va chercher son fil, on passe autour et on va faire dans le trou. Hop, on va chercher son fil. Par contre, là, on ne ramène pas les trois en même temps. On ramène deux par deux. Donc les deux premières et les deux autres. Hop, on va chercher. On plante dans le trou. On ramène et deux par deux. Ça, ce sont des brides. Hop, on va chercher. On plante. Et deux par deux. Donc, du coup, on se retrouve pour. Là, on vient de faire des simples brides. Donc, on va se retrouver pour des doubles brides. Donc, vous faites deux jetés. Vous allez dans le trou. Vous allez chercher votre fil. Vous ramenez. Du coup, vous passez deux boucles, vous ramenez, vous prenez votre fil. Du coup, votre fil, vous prenez hop, deux boucles aussi et on finit par les deux en même temps. Voilà une double bride. Deux, hop, deux, deux. Et deux. Donc voilà une double bride. Alors on est reparti. Deux jetés dans le trou. Hop, on va chercher le fil, on le ramène. Là, on se retrouve avec quatre cercles. On prend un jeté, on passe dans les deux premières. Un autre jeté dans les deux autres. Et un autre jeté. Et on finit. Voilà. Donc voilà. Deux doubles brides.
Donc voilà, voici les brides et les doubles brides et les demi-brides. Donc à vous de vous entraîner, j'espère que ça vous a plu et que c'était correctement expliqué. Je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. À bientôt!